bon Jagov qui a encore qui a sauvé son propre cul à la fin de ce match là. C'est quoi ce match? Ah c'est du loser ça? Oh putain oui. C'est quoi ces datos bécile? Ouais. Ouais, Dato Bessie, loser round 2. Autant vous dire que je pense que c'est le ginger le plus empilé qu'il y ait eu jusqu'à maintenant. C'est clair. Salut, je sais pas. Et donc, ouais, c'est parti. Dato qui ouvre la conversation avec un petit string. Mon shield, bon en haut. Dommage pour ce grab. Alors Bécide qui se chie un peu dessus. Mais moi je crois en Bécide, je crois au pouvoir de Bécide. Je crois à sa capacité à se concentrer et à se rétablir. Donc Dato qui prend le début de ce match avec un avantage très clair. Il vient de mettre 4 obstacles. Ça met très mal psychologiquement ça. À la fois au niveau des pourcents et c'est juste énervant, c'est gonflant quoi. Du coup ça permet de déstabiliser l'adversaire un petit peu. Ça il faut reconnaître cette qualité là, ce string de coup. Ouais, la fin qui passe. Dommage, elle garde, ça passe pas. Il décide qu'il rate un edge guard et qu'il donne l'occasion à mort à Dato. Ça l'a pas trop coupé pour l'instant, heureusement. Là, faut qu'il revienne au centre du stage, ce qu'il vient de faire. Flash attack, un peu tard pour la fin. Dato qui rate son tipper. Très bien joué de la part de Bécide. Tu viens le dire ici, le score. Ah, Dato qui garde, il conserve son avantage. Voilà. Le smash avant à la vanille sans tipper, sans rien. Ça fait le boulot. Très joli grab de Bécide. Je pense que c'est un vice grab, c'est possible. Très joli là-bas. Ouh, et Bécide qui relance le match d'un coup. Dans tous les neutrales. Ouh, wow. Mais qu'est-ce qui arrive à Bécide? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Bécide jouer comme ça? Moi, non. Quelle propreté. Donc Bécide qui a pris carrément l'avantage dans ce match en un quart de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, très bon zoning de la part de Bécide. Forcer Dato à s'engager et le punir. Ok. Bah, Dato qui essaie de retrouver un peu de momentum dans ce match, qui commence une phase, un combo. Ah, malheureusement, c'est Tafa Tipper lui a coupé son combo. Il n'aurait pas été un Tipper, il aurait pu mettre peut-être un upper reverse derrière. Oh, très bien joué de la part de Bécide. Mettre Dato dehors. Oula, ça glisse. Oh, putain, Bécide, il veut du sang là. Je le sens. Je sais pas fait exprès. Je le sens. Prêt pour la chasse. Oh. Voilà, Bécide qui reste bien éloigné de Marc pour ne pas se prendre un vieux downtilt. Dato qui va essayer de ne pas faire pour bien jouer. Le match reset encore une fois. Et c'est un last stock pour ce tout premier match. Bien serré qui avait commencé avec un bon avantage de Dato. Bécide qui reset la situation. Bon, Bécide qui fait une gentleman ratée avec Chic en pâle. Pourquoi pas. Mais Hamza, serait-ce toi? Bécide, c'est un peu chier sur la partie de Gérard, malheureusement. Ce qui a permis Dato de revenir. Et c'est la chance de Dato du coup de revenir dans ce match également. Très joli aiguille. Un joli spacing, mais on n'échappe pas à la tentacule de Marc si facilement. La fa, le nerf, qu'est-ce qui se passe? Le match l'a plutôt engagé pour Bécide, mais Dato pour moi. Oh, la fa. Ouais, je pense que c'est. Premier match pour Bécide. Très bon premier match.
Ok. Je suis assez impressionné par Bessid dans ce match. Il s'est très bien rétabli après avoir fait de la merde assez massive au début. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à voir. Il a dû avoir, apparemment il a eu du secret training avec son ami David, qui lui a permis de vraiment se raffermir au niveau de son finish game. C'était Chase, comme on a pu le voir dans ce match. Je sens qu'il utilisait quelques boosts gratuits, j'aimerais en revoir. Chase, c'est vraiment puissant ce truc. Ah, Dato tout de suite qui dit voilà. Quelque chose de Dato, ouais. Le Berryverse, on décide à plus de double saut. Ah, dommage. Dommage. Une première stop pour Dato, assez convaincante quand même. Il a pas envie de se laisser faire. Qui, dans ce match qui est un best of 3, évidemment. Donc, dès la fin de ce match, il y aura un joueur déjà bien solide qui va être éliminé de ce tournoi. Ce qui pour un Jinja est assez surprenant au Wizard Round 2, il faut dire. Dans le bracket, voilà, le bracket il est assez sale déjà de le base. Le bracket est assez sale. Si tu peux aller le voir, et Bessid qui refait la même chose que le premier match. Il vient de brûler comme un taureau, indiquant son sel. Je pense qu'il va essayer de revenir dans ce match comme il a fait le premier. Et je pense que Dato va vouloir cette fois conserver son lead. Joli follow-up, dommage, on rate la fois. Belle présence d'esprit, continue. Dommage. Dato qui arrive à s'échapper. Bessid qui essaie. Bonne patience de Bessid sur les deux affaires. Dato qui commence à investir dans la stop de Bessid. De plus en plus. Aïe aïe aïe. Et qui ouvre encore cette esquive en l'air impossible sur le terrain, n'importe quoi. Maman. Là, Dato qui prend. Un lead solide dans ce second match, il va aller au troisième match, clairement. Tilt, pas mal, la descente, on attend. Trois tilt, bien joué. Est-ce qu'on va belle patience slash feinte de Dato. Dessus qui revient dans sa gueule. Sur la montre droite, tu fais un MCL, ça se prend pas. Et peut-être que Dessus va pouvoir relancer ce match d'un coup. Un jump, pas comme ça en tout cas, puisque Dato reprend le lead avec son forward smash tout à fait gratuit. Voilà, bonne patience. Bessid qui arrive à s'échapper, qui revient dans le neutral, qui a un grab. Là, qui poursuit Dato, mais qui le rate à chaque fois de quelques pixels. Très jolie patience, le grab séduit. Allez, vous vous accrochez un moment. Ça n'a pas marché. Bessid qui joue le neutral de shit insupportable. Je fais un forward tilt, je fais un dash arrière pour forward tilt ensuite. Au cas où t'es sérieux de mettre plus, on sait jamais. Wow, la fois qui sort avant le forward smash, c'est sauvé Bessid. Ah, mais pas, ce jam ne bloquera pas sur le forward smash. Ah, Dato qui rate. Ah, et Dato qui prend le match. Ah, je pensais que. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il avait joué. Quand le match commence, une fois qu'il est terminé, il sera plus à Donc ce troisième match, on ira sur Dreamland, top pick de Bessid. Je dois avouer que ma connaissance de shit est plus limitée. Donc je suppose qu'il a choisi ce stage parce que c'est tout d'abord c'est le pire stage au niveau de l'espace, de la forme, des follow-up, tout ça. Et parce que ça lui donne bien de l'espace pour faire son jeu tranquillement, faire son zoning. Ça commence bien, bien serré. Jolie attente de Dato là sur ce stage là. Bessid qui a une très bonne esquive à ça. La charrière sèche avant, classique. Bessid qui ne perd pas encore sa première vie. Ouais, le smash avant la vanille. Encore. C'est pas forcément la meilleure idée parce que ça permet à Bessid de faire une reprise très très haute. Donc
peut le voir. Bon, après, tant que ça marche, continuons. Si ce soit une fois, c'est bon, ok, Bessie est mort. La stratégie de Dato est validée. C'était un petit voltage, un petit peu de remue de sa part, j'ai l'impression. Il faut qu'il se calme. Je pense que le brûlant, c'est bien pour ça aussi. Prendre son temps. Joli backer, le deuxième qui rate. Dato qui se pèse bien autour de sa foratite. Oh là là, c'était super effrayant ça pour Bessie. Bessie qui joue bien son match-ci. Joli repos au bord. Le grab, il faut le kill. Magnifique. Alors je change de casque. Me voilà, dans. Donc me voilà de retour et Dato qui conserve son avance dans le match d'une vie. Bessie qui va devoir faire une petite séquence fraîche s'il veut revenir dans le match. Ah, oh, très joli backer ça. Oulala. Ah, Dato qui y va. Ah, dommage, il finit son combo peut-être un peu tôt. Il aurait pu enchaîner encore quelques uppers avant de faire un smash, je pense. Mais bon, il conserve son avance, il est à l'aise. Lequel de vous met de l'eau? Du micro? Ah ouais. Ouais non là je commande tout seul. Et bon voilà le smash avant tout simple. Le prochain tuera Bessie je pense. Ouais. Ah il a un peu reculé pour le rendre plus puissant. Ah non Bessie survit encore, il s'accroche, on revient sur le tage. Et là ça change de. Là c'est la chance de Bessie. Non malheureusement c'est Anna. Salut Bélia. C'est Anna passe tout seul. Ah joli dash attack. S'introduit dans spacing, oui. Voilà la Bessie qui est tout sur Dato là, qui est ultra agressif. Et Dato qui a pas encore mis trop de pourcents, donc c'est largement faisable pour Bessie encore. Ah le grab, ça risque de faire mal. Ouais, ouais un upper, 48%. Ah Bessie qui aurait peut-être dû aller à l'edge guard je pense, plutôt que de zoner sur la plateforme. Il a besoin de prendre un minimum de risque là s'il veut gagner le match. Ah merde. Bien joué à Dato. Un beau match. Un beau match.